Je cherche quelqu'un qui va m'aimer, même si je dois le payer. Non, elle n'a pas chanté ça. Non. What? Les gens sont de deux, mais moi toujours je suis seule. Relation on fait jusqu'à ça dure des mois. Moi quand je commence aujourd'hui, demain on me bat. Quand je suis azaillée, ouais, Dieu. Je commence même par où. Il y a tellement de choses qui ne vont pas dans cette seule phrase. Ça, c'est clairement une marque de désespoir avancé, de désespoir à outrance. Ouais, il y a des choses qu'on ne dit même pas en public. Si tu le penses même, non, garde même ça pour toi. On parle de ça avec tes CP et tout. Mais venir en plus le chanter au vie aussi de tout le monde, on va te respecter comment? On va te respecter comment après ça? Comment tu peux dire je veux un homme qui va m'aimer même si je dois le payer? Si au moins tu t'es arrêté, ah ok, je veux un homme qui va m'aimer, on comprend. Tout le monde a besoin d'amour, de care, de for someone, beside, you know. Quelqu'un avec qui cheminer dans la vie et tout. Mais quand tu dis même si je dois le payer, ha, c'est clair que tu n'as pas 20 ans. Je ne sais pas, peut-être, bon, je pense pas que tu es déjà 40 ans et tout. Ça veut dire dans toute ta vie là, tu n'as pas trouvé ton... une belle femme comme ça. Ça veut dire, les gens se disent, attends, qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi est-ce qu'elle n'a pas d'homme? Au point où, à présent, il faudrait qu'elle dise, même si je dois le payer, qu'est-ce qui n'a pas marché? Ça fait peur directement. Personne ne veut d'une censure émotionnelle, même si, en fait, un homme déjà, un homme vrai et responsable, c'est que mon frère, il est le pouvoir financier de la famille. Il sait. Donc, il n'a pas besoin, n'est-ce pas, d'être avec une femme qui dit que non, je vais tout gérer, aime-moi seulement. Et même, ah, Seigneur, et à ce niveau même, tu dis, ok, un homme qui va t'aimer. Et toi alors? Et toi donc? Donc, il va te donner l'amour, en échange, toi, tu vas donner l'argent. C'est ça? Oh, Jesus Christ. Ah, les choses comme ça me font mal au cœur, je ne sais pas, ça me fait trop mal. On a le droit de donner notre avis, ok? On a le droit de donner notre avis sur ce genre de choses. Parce que nos filles écoutent ça, nos sœurs écoutent ça. Il ne faudrait pas qu'elles se disent que c'est normal de faire cela. Non, mamie. Mamie, écoute-moi, quelqu'un. Jeune fille, écoute-moi. Tu es une perle. Tu es une perle. La Bible dit de toi que qui trouve une femme a trouvé le bonheur et que la femme est la couronne de son mari. Tu es la couronne. Un roi, automatiquement, sait qu'il a besoin d'une couronne. Qu'est un roi? Ou qu'est-ce, on dit qu'est-ce un roi? Ou qu'est un roi sans couronne? Ce n'est pas à toi, n'est-ce pas, de jouer à désespérer. Oh, ya, ya, hé. Et les hommes sentent ça. Dès qu'on voit un peu que tu es... Non, on profite de toi et on te laisse. Mogupang, on te laisse. La preuve, tu la vois. Tu la vois. Mes soeurs, faisons attention à ce qu'on dit. Même encore sur les réseaux sociaux. Ouais, Seigneur. Eh Dieu. Eh Dieu. Azambo Wom. This gender. This gender. Ouais. Oh. Bref, qu'est-ce que vous en pensez, les amis? Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, honnêtement, ça m'a choqué. Après, la musique est sortie l'année passée. Ça m'a profondément choqué. Et je pouvais ne pas intervenir là-dessus. On me dit toujours que je suis dans la défenseuse des femmes et tout. Bref, j'essaie juste d'apporter ma part de petite pierre à construire l'édifice, ok? Je ne suis pas Sabito et tout. Mais vous, qu'est-ce que vous en pensez? Continuez la discussion, ok, les amis? Merci, c'était Mila pour vous servir. Faites kiffer. On est ensemble. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.